Je vous annonce donc la fin du programme pour cette année. Il reste, en comptant celle-ci, il reste 4 séances. Donc, on se voit aujourd'hui, demain, puis la semaine prochaine, ce sera donc... on fait une séance le jeudi 23. Aujourd'hui et demain, d'accord. Ensuite, la semaine prochaine, on fait une séance jeudi 16. Mais pas vendredi 17, parce que ce matin-là, il y a la journée d'AFA au musée Guimet. C'est-à-dire, je pense que c'est ouvert au public, c'est une journée de commémoration du centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan. Moi-même, j'interviendrai assez brièvement sur la fouille d'Aïr Hanoum. Donc, on ne fait pas le séminaire ce vendredi-là. Puis, ensuite, on a donc un séminaire le 23 juin, et c'est le dernier. Voilà. Par ailleurs, j'annonce donc, outre la journée d'AFA le 17, voilà. Je crois que c'est à peu près à peu près de 9h30 à midi et demi. Moi, j'interviens plutôt en fin de matinée. Mais vous trouverez ça sur le site du musée Guimet. Mais oui, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. C'est au Louvre. C'est au Louvre. Parce qu'il y a une journée d'AFA à Guimet. Mais seulement, c'est en novembre. Donc, ce qu'il y a, effectivement, vendredi 17, c'est au Louvre. Je crois que c'est au Grand Auditorium. Vous trouverez ça sur la programmation du Louvre. Okay. Alors, par ailleurs, nous accueillons donc, à partir du 20, notre collègue de Kyoto, Minoru Inaba, et qui va donner ici une conférence. Je pense que ça a été déjà bien diffusé sur le site du collège. Je crois que l'affiche... est déjà apposé, et puis on a fait transmettre à divers endroits. Donc sa conférence, qui sera en anglais, sera sur l'histoire des Turkchas de Kaboul, la dynastie locale de Kaboul du 7e au 11e siècle, même si on prend les derniers prolongements, c'est une question qui s'est énormément renouvelée, et principalement à la suite des contributions personnelles du professeur Inaba. Je ne saurais trop recommander d'assister à cette conférence et de faire passer l'information. Voilà, je crois que j'ai fini avec les annonces, donc je repasse à Chao Jong avant de revenir tout à l'heure. Thank you. Okay, thank you. So we continue our teaching last week. And last week, I introduced the works about Yu Taishan by Yu Taishan, and there are so many versions, and the last version must be the one in the lower right, the 2021, but unfortunately I have not received it due to the disturbance of China Post. But anyway, there is a big problem that in these books there is no map. So in order to understand what Yu Taishan and his earlier colleagues in China and Japan thinking about, we must search for the old map that actually in their hands. So last week, I tried to use some old book in Kurabala's collection, now kept in Kyoto University Library, so including this book by Franke, and also the map in Franke's book, and where we mention the Turkestan as a region. And in this map, according to seven headings concept, and at the beginning of the 20th century.
And also, we used a Hermann's map also in Kuwabala's collection, and where Turkestan is not as a region, but as a town. And another map by Macfort, also a town in his map. And these are the important map in Shiratori's days. So far known to, widely known to Chinese and Japanese scholars, although the maps are not in the books. So, and I think last time a lady asked about how long it is a li, and at that time, actually I answered that the problem is really too complicated. But in one phrase, normally we estimate a li as a unit, Chinese unit of length, from Han to Tang period, as long as 400 meters. So in other words, if we use this map by Marquardt, we can set very approximately that 250 mile is approximately 1,000 li. And to make some more explication, but without archaeological data, well, just a theoretical calculation, we note that 1 li as a unit of length in the Han period is about 300 paces, and 1 pace is defined in the Han period to be 6 ona, as long as these bones, and it can be estimated from 22 to 24 centimeters. And in other words, 1 li is equal to 1,800 paces. And in a Tang period, the system changed, but at any rate, 1 li is still around defined as 1,800 paces. And I think last time I forgot to give a map. Actually, this is a French map bought by me on the market of Mobile Mutuality in a Saturday market, and it was made by Alexandre Villemain, a very famous cartographer. And if you search him on Wiki, and this is the, he, it's known that he was born in, I forgot because I just scanned it without scanning the verso site. But I only have this kind, so I estimate that it's about the middle or 19th century. And here you also, sorry, I must, okay, find the area of Turkestan here. Right, Turkestan as a region here. Right. So actually, it is corresponding to some earlier maps at the beginning of the 20th century. So I think now it's your turn, Franz. You provide any one more map, right? Oui. Alors toujours avec donc cette notion un peu flottante de Turkestan, on voit ici. Les lettres apparaissent. Est-ce que Turkestan, Turkestan. Bon, en gros, on trouve une localisation qui correspond à celle des cartes qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à une unité politique particulière. Hein. C'est, en gros, voilà, on le met. L'idée, c'est que c'est une zone où les gens parlent turc. Et c'est au nord des grandes oasis sédentaires du sud, de la trans, qu'on appelait la Transoxiane, l'émirat de Boukhara, Fergana. C'est, voilà. Mais c'est une acception, je dirais, plus linguistique et écologique que véritablement politique. Alors, c'est toujours à peu près, on le met toujours à peu près entre le Bas-Amoudaria et l'Issyk-Kul. Alors, on a signalé la dernière fois que on a la première apparition du nom de Turkestan dans les sources écrites,
c'est le contrat de mariage sogdien de Turfan en 638, où on dit que l'esclave qui porte un nom turc est vendu par des marchands de Samarcande et on indique de quel clan elle vient. Et on dit qu'elle a été achetée au Turkestan. Et on dit de quel clan elle vient. Et Étienne de la Vessière nous a fait remarquer qu'en fait, ça oblige, c'est assez à l'est, hein, c'est un clan des Turcs Chatons. Donc, Chaozhong, ça nous mettrait... ça nous mettrait à peu près, voyons, au nord du... ça nous mettrait au nord du... Au nord du Gansu, quelque chose comme ça. Between Gansu and Turfan. Entre Gansu et Turfan, voilà. Donc, ça la situe effectivement près de son point de vue où elle a été achetée. La notion de Turkestan aux yeux des marchands saoudiens déborde pas mal vers... Ça déborde pas mal vers l'est. Ça commence avec les Piémonts nord, au nord de l'oasis de Turfan. Hein, au nord, disons, c'est ce qui est au nord des Tien Shan, en réalité. On va dire ça. Hein. C'est toute une bande qui, au VIe siècle, démarre au nord des Tien Shan, s'étend à l'ouest, on ne sait pas très bien jusqu'où. Ça peut plus ou moins correspondre en partie au noyau le plus solide de l'empire des Turcs occidentaux, on va dire ça. Mais là encore une fois, c'est très approximatif parce que l'empire des Turcs occidentaux s'est étendu dans sa période de prospérité bien au sud, hein, sur la Sogdiane et même sur le Tokharestan. Donc ce serait les zones turcophones et nomades de l'empire des Turcs occidentaux. Voilà. Et on voit que sur cette carte de 1876, on a toujours un peu la même notion, c'est-à-dire c'est politiquement pas défini, ce sont les zones turcophones stépiques au nord des grandes oasis du sud de l'Asie centrale. Alors, Scholler, c'est très important, c'est un livre qui marque une étape extrêmement importante. C'est en fait un diplomate américain qui a été le premier voyageur à faire un rapport détaillé sur l'état des nouvelles provinces conquises donc, par les Russes à partir... après la prise de Tachkent en 1863, prise de Samarcande en 1868, hein, avec l'émirat de Boukhara qui est devenu un protectorat mais qui reste théoriquement indépendant. Il est le premier voyageur à voyager dans ces conditions, avant même l'ouverture du chemin de fer. Il a publié en 1876 un gros récit en deux volumes très précis, d'une qualité absolument remarquable. Bien entendu, c'est l'espionnage. Mais, voyage, espionnage, diplomatie, il y a surtout à cette époque des continuités évidentes. Bien. Scholler n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui aurait probablement terminé Secretary of State du gouvernement américain. Il aurait fini sans doute ministre des Affaires étrangères, s'il n'y avait pas eu des règlements de compte politiques avec le spoil system, quand un parti gagnait, tous les fonctionnaires étaient remplacés, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. On voit que son livre Turkestan consiste en deux livres. Un livre qui est véritablement un tome, qui est véritablement consacré à ce qu'il considère ici comme Turkestan, zone nord. Et puis, le deuxième tome, ce sont les zones sédentaires au sud qui viennent d'être conquises par la conquête russe. Et alors, ce qui est très intéressant,
c'est que après Schoeller, on voit la notion de Turkestan qui apparaît comme entité administrative reprise par le gouvernement des Tsars, avec une tendance justement à l'expansion vers le sud. C'est-à-dire qu'au départ, 1865, c'est le moment donc où est terminée la soumission de ce qui correspond aujourd'hui au Kazakhstan et au Kirghizistan, hein, la steppe kazakh, hein, 1865, mais c'est avant la descente sur les royaumes, les principautés d'Asie centrale, 1865, province du Turkestan. Là, on est bien dans la ligne traditionnelle et qui a enregistré aussi Schoeller. Mais vous voyez, 1867, 65, prise de Tachkent, 68, prise de Samarcande, et on institue le gouvernorat militaire au sud de la province du Turkestan. On institue le gouvernorat militaire du Turkestan et qui, en fait, va continuer à s'étendre peu à peu. Vous voyez les dates ici. Au fur et à mesure des annexions par les Russes. Donc, cette notion de... il faut bien se rendre compte que, comme disons les auteurs de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, et qui parlent de Turkestan, ils enregistrent une notion évolutive et flottante, qui tend finalement à couvrir commodément tout simplement les conquêtes russes en Asie centrale. I think it's you now, Tony. Huh? You are Russian. Ah, yes. la dernière fois, Zhao Zhong a présenté l'émergence, la fondation des approches historiques sur la Sogdienne d'une part, le Kangkyu d'autre part, telle qu'elle s'est cristallisée dans les années 20-30, et c'est les bases sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Alors, on voit à ce moment-là, sur la base d'une étude des sources chinoises, je ne parle pas encore des sources archéologiques, on voit apparaître deux écoles qui existent encore. C'est l'école japonaise dont le fondateur peut légitimement être considéré comme Kuratishi Shiratori, dont l'ouvrage principal, l'article principal, History of Suitcase of Diana, 1830. First is 11 to 13 and then 24 and oui. Then 28. Oui, c'est un ouvrage qu'il n'a pas cessé de réviser. Donc, c'est le fondateur de l'école de Tokyo les historiens japonais aujourd'hui de l'Asie centrale continuent à se situer dans des lignées initiatiques qui remontent à Shiratori. C'est comme le grand maître d'une secte bouddhique. Après Shiratori est venu Inoki. Inoki est Tokyo, c'est notre Kyoto. Tokyo. Est venu Inoki. Et puis, il y a l'école un peu dissidente de Kyoto, avec Kuwayama. À partir de Kuwabara, et puis. À partir de Kuwabara, voilà. Moriyasu, c'est Tokyo. Tokyo. Moriyasu, c'est Kyoto, voilà. Donc, l'école japonaise. Et simultanément, on a, disons, sur la reconnaissance du phénomène historique sogdien, on a en Occident les travaux pionniers de Paul Pelliot. N'a pas énormément écrit sur ces questions, mais ce qu'il a écrit reste fondamental. On a vu qu'il a trouvé les premières mentions du Khorezm, par exemple. Ensuite, dans plusieurs articles,
il a mis en évidence pour la première fois le phénomène de la colonisation, des colonies soviétiques sur toutes les étapes de la route commerciale jusqu'au cœur de la Chine. Il est le premier à avoir fait ça. À cette époque, les archéologues soviétiques ne voient pas les Soviétiques aller au-delà de d'Akbechi, au Kirghizistan, dont on a parlé l'année dernière. Peillot est premier à envisager le phénomène de l'empire commercial soviétique comme une réalité. J'avais signalé donc la dernière fois que même Chavannes était passé un peu à côté de ça. Chavannes voyait les Soviétiques comme des intermédiaires, mais il manquait d'informations sur la réalité de la civilisation soviétique. En réalité, en dehors de l'histoire politique et militaire, dans son livre sur les documents sur les Turcs occidentaux, il en parle assez peu. Il parle des Soviétiques dans leur rapport avec l'Empire turc, mais il n'arrive pas, par exemple, à comprendre qu'il a existé un grand père soviétique. Quand un ambassadeur byzantin décrit des figures et des plats d'argent dans la tente du Kagan des Turcs, Chavannes pense que c'est de l'art turc. Il n'a pas compris qu'en fait c'était de l'art soviétien dont les Turcs s'étaient emparés. Donc ça, c'est la fondation des deux écoles historico-philologiques. Mais à peu près simultanément apparaît, se crée l'école archéologique soviétique qui va donc prendre en compte à la fois le phénomène soviétique, d'après leur propre perception, et aussi le phénomène Kanchu, arriver à définir assez précisément les relations que ces deux entités politiques entretiennent. Alors, il existe un texte fondateur, il y a vraiment un avant et un après. Bon, avant la Deuxième Guerre mondiale, on commence à saisir le caractère brillant de la civilisation de l'art soviétien avec les découvertes des peintures de Valarcha. Non, mais ça n'a pas eu vraiment beaucoup de diffusion. Parce qu'à ce moment-là, disons, ce qui éclipse tout, c'est les travaux de Tolstov au Khorezm. Et tout le reste passe après. Et les informations sont en fait sur la Soviétique. Ce sont des informations assez dispersées. On ne peut pas dire que le travail archéologique est mené d'une manière ni systématique, ni méthodique, ni continue sur Samarcande. Sur Boukhara, il n'y a rien. Sur d'autres villes soviétiques, ça commence tout juste. Et puis, tout change avec ce gros article de Terinochkine paru en 1950. Alors, il faut savoir que tout le monde, tous les archéologues soviétiques travaillant en Asie centrale ont lu Terinochkine. À mon avis, c'est un texte qui devait même être appris par cœur par les étudiants. Et on voit très bien, c'est fait pour ça. Parce que ça se présente au départ comme c'est le résumé de sa thèse. Les thèses n'étaient pas publiées, mais on publiait ce qu'on appelait un autoréférat, c'est-à-dire un auto-résumé. Et c'est ça qui restait dans la littérature scientifique. Alors, on me dit, Marchak m'a toujours dit, si vous arrivez, essayez de consulter dans les archives de l'Ermitage, peut-être aussi à Tachkent, la thèse de Terinochkine, vous irez de merveille en merveille. Donc, moi, la thèse de Terinochkine, je ne l'ai jamais eue en main, mais donc j'ai ce texte. Alors, on voit comment c'est fait. C'est un texte très concis, très dense, mais il faut vraiment s'appuyer, s'accrocher pour le lire, et c'est accompagné par ce que j'appelle les planches timbre-poste. Alors, ce sont, en fait, c'est ce qu'ils appellent les complexes archéologiques.
C'est-à-dire qu'ils prennent une séquence. Ici, c'est Sogdiane. Ici, c'est Tchatch. Ils prennent une séquence qui, chronologique qui démarre du haut, va jusqu'en bas. Je vais revenir là-dessus. Enfin, en gros, il a pour la première fois divisé tout ça en six périodes, depuis l'âge du bronze tardif jusqu'à la conquête mongole. On met sur des tout petits tableaux où il faut vraiment avoir une loupe pour comprendre quelque chose, mais il y a un commentaire quand même qui est joint, des formes représentatives. Alors ce sont des peaux, ce sont des décors de peaux, ce sont... Alors parfois c'est des choses minuscules, hein. Pointe de flèche, petit poignard, ça a l'air de rien, mais c'est accompagné par un commentaire et par quelques photos noir et blanc qui permettent l'idée, c'est qu'un archéologue qui va travailler sur un site, il aura ça dans la poche. Et donc, quand il va classer son matériel, il va tout de suite avoir un guide pour l'ordonner chronologiquement. Alors, il faut savoir donc que Terenochkin a travaillé, on est en 1950, sa thèse était soutenue en 1948, et en fait c'est basé sur des travaux qu'il a faits pendant la guerre, et dans les années, oui, c'est même carrément pendant la guerre. Il y a plusieurs bases de son travail. La première séquence stratigraphique de la zone de Samarcande. Alors, il a utilisé une première séquence qui avait été établie avant la guerre par un archéologue qui s'appelle Grigoriev sur un site qui s'appelle Talibarzou. C'est un château qui est à 6 km du site principal de Samarcande à Frassiyab. Voilà Talibarzou 1. Et puis après, on voit, en fait, pour la séquence de Samarcande, il complète ses propres observations avec ce qui avait été fait à Talibarzou. Le travail de Grigoriev était admirable et pionnier, mais extrêmement approximatif en ce qui concerne la chronologie absolue. La chronologie relative est bonne, la chronologie absolue est complètement... beaucoup trop ancienne, etc. Parce qu'à cette époque, on connaît, on trouve les bonnets, mais on ne sait pas encore les ordonnées, on ne sait pas encore les dates. Donc, tout ça, ils vont se raccrocher à des modèles de pointes de flèche qu'on trouve par ailleurs en mer Noire. Bon, ce sont des critères extrêmement fragiles. Bien. Mais donc, Terenochkin est parti de la séquence Talibarzou. Aujourd'hui, bon, c'est un site assez important dont la fouille n'a jamais été reprise. J'y suis allé, c'est à 6 km donc de Samarcande, et à l'époque on considérait que Talibarzou était le site de Revdad, le site royal des rois de Samarcande dont parlent les sources chinoises. Bon, maintenant on tend à penser que c'est pas Talibarzou, que c'est plutôt Kafir Kala, un autre site un petit peu plus au sud. Et puis par ailleurs, Terenochkin a complété la séquence de Talibarzou en allant gratter sur la fouille de Samarcande les tranchées laissées par ses prédécesseurs sans aucune espèce de souci de dessiner la stratigraphie, de distinguer. Bon, voilà. Mais ils avaient laissé partout des grandes tranchées. Et Terenochkin est allé gratter tout ça. Et il a sorti, couche par disons, gros ensemble de couches par gros ensemble de couches, des complexes, qu'on appelle des complexes scellés, c'est-à-dire en fait des paquets de formes directives, de formes céramiques qui pouvaient servir d'étalons. Bon. Par ailleurs, alors, il a aussi travaillé, il a comparé ce qui sortait lui-même des coupes de Samarcande, des tranchées de Samarcande, avec ce qui s'était entassé dans les musées locaux. Hein. Et puis, il a par ailleurs utilisé des travaux qu'il avait faits du côté de Tashkent. 1940,
Oui, le travail, le nettoyage des tranchées d'Afrassiab, il a fait ça vraiment pendant la guerre. Non, juste après la guerre. Il a fait ça en 45-47. Et l'année d'après, il soutient sa thèse. En 1940, il avait travaillé sur le grand canal de Tachkent, une grande entreprise stalinienne. Alors, c'était des canaux dont les creusements avançaient extrêmement vite. Il courait derrière les ouvriers. Bon, il n'y avait pas de pelle mécanique, c'était à la main. Il courait derrière les ouvriers pour ramasser ce qui sortait dans la terre. Bon. Et puis, il a pu utiliser en 1948 les tout premiers résultats de ce qui allait devenir la grande fouille révélant la civilisation soviétique, c'est-à-dire Pengiquet, d'où le travail a commencé en 1947. Et là, il a utilisé les premiers résultats. Alors, quelques remarques donc qu'on peut faire. Oui, j'ai dit que il se situe à la même époque, en gros, que la création de la création des écoles historiques sur l'étude de l'Asie centrale et notamment de la Soudan avec Shiratori et Pellino. Mais il faut savoir que Térénochkine n'a aucune espèce d'accès aux travaux ni de Shiratori ni de Pellino. Il n'a pas non plus du tout un accès direct aux sources chinoises. Il cite même pas, contrairement à beaucoup de ses, plusieurs de ses contemporains, il ne cite même pas le recueil de Bichourine, qui était la forme principale sous laquelle les archéologues soviétiques avaient accès aux sources chinoises. Il utilise tout ça de deuxième ou troisième main. Donc, ce sont des phénomènes, ce sont des approches dont on peut dire qu'elles se sont croisées et qu'elles se sont interfécondées, mais ça s'est opéré d'une manière complètement indépendante. Alors, il faut savoir aussi que Térénochkine publie à un moment où la grande figure dominante, le fondateur de l'archéologie scientifique de l'Asie centrale, c'est Tolstov qui a fouillé au Khorezm. Et Tolstov a une position institutionnelle extrêmement forte. Donc quand on lit le texte de Térénochkine, on voit qu'il négocie subtilement par rapport à Tolstov. Par exemple, il y a un moment, il y a un passage même assez amusant, où il est presque obligé de s'excuser de ce que la grandeur de la civilisation de la Sogdiane pourrait un petit peu éclipser la grandeur de la civilisation du Khorezm. Mais non, c'est quand même le Khorezm qui reste principal. Il a une notion très bonne de la localisation du noyau principal du Kangkyu dans la région de Tachkent et sur le moyen Sibérien. Ben oui, mais c'est pas du tout ce que pensait Tolstov, pour qui l'ancien Kangkyu c'était le Khorezm. Donc Térénochkine contourne habilement l'obstacle, et puis à un moment il se sent obligé aussi d'inventer à Samarcande et dans le Tchad une période Kouchane. Parce que Tolstov pensait que l'Empire couchant s'était étendu jusqu'au Khorezm. Et il se sent obligé d'introduire ça. Et d'ailleurs, cette notion d'époque couchane est restée dans la littérature archéologique de la Sogdiane pendant vraiment longtemps, alors même que depuis les années 60-70, on sait bien que les couchants ne se sont pas étendus. Mais il y a une très grande inertie des terminologies. Moi-même, pour la préparation de notre publication des fouilles de Samarcande, j'ai dû me bagarrer pour faire disparaître le mot couchant des tables chronologiques.
Alors les collègues là-bas disent « Ah ben oui, mais non, on sait bien, les couchants n'étaient pas là, mais on a tellement l'habitude d'écrire couchant qu'on écrit couchant. C'est juste une façon de nommer une période. » Eh ben, très bien, mais à ce moment-là, s'ils n'étaient pas là, nommez ça autrement. Bon, voilà, donc je vais faire remplacer couchant par Kankyu. Alors, quelques remarques donc sur ça. Oui, alors j'isole dans cette séquence donc de six grandes périodes, parfois subdivisées en deux. Alors je dis tout de suite, pour la chronologie relative, on n'a pas tellement changé maintenant. On a un peu plus de périodes, c'est plutôt les dates absolues pour lesquelles on a évolué, et encore pas pour tout. Ici en bleu, j'ai encadré ce que lui considère comme la période Kankyu, à la fois à Samarcande et dans le Tchatch. Voilà, parce que c'est l'un des deux grands apports de Kirinoshi, c'est d'une part d'avoir vraiment mis sur pied une chronologie archéologique de la Sogdiane, et d'autre part d'en proposer un conspectus avec la chronologie archéologique de la région de Tchatch, dont il considère qu'elle appartient au Kankyu. C'est vraiment la première fois qu'on clarifie la situation de ce point de vue. Alors, Kankyu donc se situe ici, et on voit tout de suite qu'il y a des ajustements aujourd'hui dans cette chronologie. Période 1, ce qu'il appelle Afrassiab 1, Achéménide. C'est toujours vrai. C'est toujours ce que nous pensons. Ces formes-là, malgré la petitesse des dessins, on voit bien que ce type de vase, ces sortes de vases biconiques, c'est absolument typique de la céramique d'époque achéménide, aussi bien en bactrien. Donc là, il a raison. Après, il reconnaît qu'il y a une phase, il ne s'étend pas beaucoup là-dessus, mais il reconnaît qu'il y a une phase où il y a des formes grecques. Ces coupes-là à bord, très déversées. Bon, depuis, on a beaucoup précisé les choses, on a même trouvé des restes du décor grec, mais il avait compris. Afrassiab 2, c'est hellénistique. Après, il commence à... voilà, pour toutes ces périodes centrales, il a tendance à monter trop haut. C'est la tendance générale dans l'archéologie soviétique. Donc, Afrassiab III, qui pense être encore hellénistique, il met ça au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est ça. En fait, on sait maintenant que c'est post-hellénistique. Premier siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ. Peut-être avant les Kankyu, une période avec les envahisseurs scythes, Sakars, qu'on appelle les Sakaroks. C'est ce que nous adoptons actuellement dans notre chronologie. Et alors, le fossile directeur, ce sont les gobelets à pied bouche. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, vous savez, ces gobelets coniques sur des pieds. C'est totalement inconnu à la période. Complètement inconnu. C'est visiblement, c'est probablement influencé par la vaisselle de métal, d'argent, qu'ils avaient en mer noire. Ce sont les envahisseurs venus à cette époque qui auraient amené ça. Donc, il faut corriger. En fait, on est plutôt premier siècle avant, premier siècle après. Ensuite, on arrive à la période Kankyu Yuechi. C'est-à-dire Yuechi en référence à ce qui se passe au sud, avec l'émergence des bouchons, et Kankyu avec ce qui se passe au nord. Alors, lui met ça, deuxième siècle avant, premier siècle après. En fait, c'est 2e, 4e siècle après. Alors, on a donc Afrassiab 4 ici, et juste après, ce qui est Talib Arzu 1, voilà, qui correspondrait à la fin de la période. Et alors, ça correspond à... On voit le fossile directeur que sont les gobelets dits à pied bouche. Ces hauts gobelets sur des pieds, les formes évoluent, vous voyez, ça devient des gobelets sur des pieds instables. On ne peut pas les poser. Même vide, ça ne tient pas, et plein, ça tient encore moins. Alors, évidemment, j'avais déjà été amené à en parler, ça correspond à quoi d'un point de vue fonctionnel? Évidemment, l'idée qui vient à l'esprit, et qui est venue à l'esprit depuis longtemps à l'école russe, c'est que ce sont des vases à tosses.
C'est-à-dire que le principe d'un... il faut faire plus sec. Le principe d'un vase à toast, c'est que c'est un vase qu'on n'a pas posé. Il doit circuler de convive en convive jusqu'à ce que tout soit vidé. J'ajoutais que ils avaient même l'idée que nos collègues locaux à Saint-Marcand, ça nous avait fait un peu rire au début. Ils disaient, mais vous savez, parfois, ces vases-là, on les trouve cassés et entiers. C'est-à-dire comme s'ils avaient été cassés volontairement. Comme la manière dont boivent les Cosaques, en jetant le verre à l'arrière. Tout ça nous faisait beaucoup rire. Jusqu'au jour où, sur ma fouille, je trouve le fond d'un vase, comme ça, c'est plutôt cette période-là d'ailleurs, très ancien, je trouve sur le fond du vase gravé deux noms de personnes. Et c'est en écriture sovienne très archaïque. Et donc, à mon avis, c'est vraiment un vase à tous. C'est-à-dire que les deux buveurs ont immortalisé leur amitié en gravant leur nom au bas du vase, avant de vider un toast. Voilà, c'est typique. Mais alors voilà, donc, il avait bien raison de reconnaître tout ça, mais sa chronologie est là trop haute. Et puis donc là, il introduit une période kushane, mais en fait, on le sait maintenant, c'est Ephtalite. C'est 5e siècle, et ça correspond à un moment très curieux où on voit apparaître beaucoup d'influences romaines. Les influences romaines n'apparaissent pas, mais ça, il y avait déjà un peu plus de fils. Les influences romaines, on les attendrait au 1er et 2e siècle, c'est-à-dire au moment où, par Ptolémée, on sait que vraiment la route de l'Asie fonctionne, il y a des marchands syriens qui vont jusqu'en Chine, etc. Juste, elles apparaissent, mais plus tard. Plus tard, 4e, 5e siècle, et c'est le cas à la fois dans la céramique, mais aussi la vaisselle d'argent, qui a été le sujet de mon cours principal cette année. Alors, vous voyez, ce qui est vraiment intéressant ici, du point de vue de notre travail sur le Kankyu, c'est que là, pour lui, c'est vraiment l'époque Kankyu, avec politiquement relevant du Kankyu le Tchatch, qui en est donc la partie sud, et puis sous influence Kankyu, Samarcande et la Sogdiane. Alors, dans le Tchatch, ça correspond à deux faciès archéologiques qu'on appelle Kaunchi 1 et Kaunchi 2. Et on voit que y a un certain nombre de caractéristiques communes qui se répandent, la pâte, en gros la qualité de la céramique devient moins bonne, la pâte devient plus grossière, il n'y a plus d'engobe comme qui couvrait bien le lissage des engobes qui couvraient tout, c'est plutôt, ils tendent plutôt à décorer en dégoulinure, et puis les espèces de lignes incisées ondulantes là, ça c'est vraiment ça nous aide encore beaucoup quand on trouve ces formes-là, parce qu'on sait où les situer. Et puis, un phénomène très intéressant, c'est l'apparition, surtout côté Kankyu, mais aussi à Samarcande, de décors zoomorphes. Alors, je vois tout de suite le détail. Voilà. Des anses, ce sont des pots assez typiques d'un usage nomade, qui sont décorés par des petites figurines d'animaux qui ont l'air de protéger l'ouverture, comme si c'était une protection magique sur le contenu. Et alors, là, dans la plupart des cas, ce sont des béliers, avec leurs grandes cornes, ici aussi. Parfois, des loups ou des panthères. Et puis, là, alors on n'en a pas mis à Samarcande même, mais par contre, ce qu'on voit sur les deux sites, aussi bien Tchatch et Samarcande, c'est ce qu'on appelle des chenets, c'est-à-dire, ça existe encore aujourd'hui, hein, ce sont des supports, qui peuvent être métalliques, ici, en cuir, qui servent à porter des bûches dans un arbre. Et
typiques de cette époque, ce sont les chenets avec deux têtes de bélier. Ah, voilà. Et on en a un qui est cassé, mais qu'on a trouvé à Samarcande. Voilà. Alors, ça intrigue beaucoup nos collègues ouzbeks quand on leur montre nos musées en France, parce qu'on a exactement les mêmes chenets sur les sites gaulois. Alors, ils disent, ah ben voilà, l'influence Kangkyu-Kaushi s'est étendue jusque chez nous. On n'est pas vraiment prêt à admettre ça, mais... Alors, je termine avec un petit commentaire, donc, sur... Donc, Terenoshin avait tout à fait compris que cette phase est très caractérisée par ces décors zoomorphes. Alors, il y a eu une tentative d'élucider ça du point de vue idéologique. Tentative très méritoire. C'est par Boris Nijinsky en 1968. Son petit brochure qui s'appelle Le Farm, Kangkyu et Sarmat. Son idée, c'est que il y a un continuum culturel entre le Kangkyu et toute la zone Sarmat qui va jusqu'au nord de la mer. Il faut savoir tout de même que ça correspond à un moment idéologique très précis dans l'archéologie soviétique d'Asie centrale. Disons qu'ils ont été fortement encouragés à minimiser les influences chinoises en Asie centrale et à montrer que les liens culturels essentiels étaient toujours restés avec la steppe russe. Alors évidemment, la date ne peut pas vous échapper, 1968, c'est juste après la révolution culturelle. C'est-à-dire que c'est le moment où les relations entre la Chine et l'URSS sont au plus mal. Et c'est justement dans ces années-là que nous constatons chez nos collègues de grands efforts pour rattacher beaucoup de choses à la steppe, pour montrer que l'Asie centrale n'a pas de rapport historique véritable avec la Chine, mais qu'elle en a beaucoup avec la steppe. C'est même allé jusqu'au point que quand on a trouvé quelques inscriptions chinoises en Asie centrale, c'est le cas à Akbishim, on en a parlé au cours l'année dernière, ils n'en ont pas parlé pendant des années. C'est après qu'on a commencé à révéler l'existence de ces inscriptions. Alors, l'idée de. Alors voilà, Lidvinsky fait une sélection de ces figures zoomorphes, vous voyez, avec surtout des béliers, hein, mais pas que, hein, il y a une panthère ici, et puis on a vu, il y a des loups, etc. Et puis alors, il y a ces formes-là que l'on trouve à Tashkent, dans le Tchatch, mais qu'on a aussi sur les fouilles de Polushkin, plus dans vraiment le noyau historique du Kangkyu, j'appelle ça les zombies, faute de mieux. Ce sont des espèces de créatures étranges, humanoïdes, mais pas complètement. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Mais on les trouve partout. Voilà. Alors, l'idée de Lidvinsky, c'est que ces symboles animaux symbolisent une notion très importante dans les conceptions de symbolique iranienne, et notamment sur la signée, c'est le farm, c'est-à-dire en avestique c'est huana, farm, c'est, disons, on peut traduire charisme. C'est un principe à la fois de prospérité, mais surtout de légitimité, de puissance surnaturelle, qui s'applique plus particulièrement au personnage royal. Alors, raisonnement de Lidvinsky, c'est que il procède un peu par syllogisme. Point A, du point de vue du matériel archéologique, il y a beaucoup en commun entre le Kangkyu et les Sarmates. Point B, vous ne connaissez pas encore du tout à l'époque le nomastique du Kangkyu, on ne sait pas grand-chose, mais chez les Sarmates, on a plein de noms de personnes par les inscriptions grecques et latines de mer Noire. C'est ce qu'on appelle les inscriptions pontiques.
Et il y a plein de noms sarmates qui comportent l'élément femme. Il y en a vraiment énormément. Alors, je cite un exemple connu de tout le monde ici, c'est la tiare de Saïta Farnès, qui est un faux célèbre dans l'histoire de l'archéologie dans les années autour de 1900. Elle était en très bon goût, elle avait été acquise très chère. Ça s'est c'était une magnifique tiare en site sarmate nord. On a démontré rapidement qu'elle était fausse, très bien faite, mais fausse. Alors, la tiare est fausse, mais le nom du roi, elle comportait une fausse inscription au nom d'un roi, Saïta Farnès. Mais ce roi, Saïta Farnès, il a vraiment existé. Ça veut dire, en iranien, en iranien, c'est Saïta Farnès, c'est-à-dire celui dont le phare est brillant. Donc, il est parti de cette idée et il s'est dit, bon ben voilà, on tient quelque chose de l'idéologie du Kangyu, c'est l'idéologie royale, du farm, etc. Et c'est un rapport étroit avec le continuum sarmate. Oui, enfin, bon, il y a quand même des choses un peu gênantes. Parce que si c'était véritablement le symbole du farm, d'accord qu'on ait le bélier. Le farm n'est pas associé au bélier dans la Vesta, mais il l'est dans l'art et la littérature sassanide. Mais il y a aussi panthères, il y a des panthères, il y a des loups, il y a des renards. Et ça, ce n'est pas du tout des animaux positifs, comme nous avons dit. Ce sont des animaux. Voilà, donc il y a tout de même cette tentative restée d'ailleurs unique. D'études idéologiques du Kangyu pose quand même un problème, mais enfin bon, c'est très méritoire. Donc, ce qu'il faut, avant de terminer, préciser en ce qui concerne le travail de Terenochkine, c'est qu'il avait également bien vu qu'après cette période Kangyu, à la fin, il y a une brève période de déclin urbain à Samarcande, assez brève mais forte, et constitue maintenant fin 4e siècle, et ça correspond au moment où les Kangyu bien qu'eux-mêmes issus représentant une formation politique qui n'était pas que nomade, qui avait une composante nomade et aussi une composante sédentaire, ont été un peu balayés à partir de la fin du IVe siècle par des plus barbares qu'eux qui venaient des régions au nord de la mer d'Aral, de la mer Noire, et qui remontaient le Sirdaria. Et c'est là vraiment ici, on voit très bien dans la séquence, il y a un moment où il y a une rupture. Alors il signale aussi, vraiment, il avait vraiment beaucoup d'intuition, Il savait mettre les choses ensemble. Il signale qu'à la fin de l'époque Kangyu, dans la région de Tashkent, Kaonchi 2, on voit apparaître un peu partout des petits sites fortifiés, une architecture assez sophistiquée, de formes très diverses. À quoi ça correspond du point de vue politique ? Difficile à dire, mais cette remarque qu'il a faite prend vraiment tout son sens aujourd'hui, parce que de tels sites, on en a vraiment beaucoup. Et ce n'est pas que dans la zone Tashkent, c'est vraiment dans toute la zone sur laquelle le Kangyu a rayonné. Ça va jusqu'au Kirghizistan. Et il y a les exemplaires dans l'oasis de Bukhara. Je vais être amené donc brièvement, dans l'un des derniers cours, à montrer ces types d'habitats Kangyu sur lesquels on discute beaucoup. Enfin, on a cherché des fonctions cultuelles. Maintenant, on tend à abandonner cette idée, mais on ne comprend toujours pas très bien, ou plutôt, oui, on peut faire quelques hypothèses, pourquoi vers la fin, vers le 4e siècle, ils se sont mis comme ça à mettre partout des sites fortifiés. Alors, je termine pour bien montrer à quel point cette publication
marque un grand moment de reconnaissance d'un phénomène culturel auparavant méconnu. Il écrit quelque part, le church dans cette à cette époque n'était pas habité par des troglodytes ou des chacals, comme il semblerait apparaître des travaux de Grigoriev, mais par les créateurs d'une civilisation qui peut-être n'était que de peu inférieure à la Sogdiane et au Khwarezm. Alors là, il a fallu qu'il soit courageux pour dire de peu inférieure au Khwarezm à ce moment-là. Et alors, il écrit aussi, il est le premier à le faire, dans le Tchatch, l'époque de la culture agricole développée, dite Kaunchi II, doit être considérée comme le principal noyau de l'État barbare Kankyu, dont le centre politique se situait dans les régions du Moyen Sirdarien. On savait déjà, sans le savoir, il a dit exactement la même chose que Shiratori. En fait, Shiratori n'était pas le premier à avoir compris que les sources chinoises orientent vers un centre politique du Kankyu sur le Moyen Sirdarien. Chao Zhong donc me signale que c'est déjà dans Richthofen, inventeur du concept de route de la soie, et puis Marc Farc aussi disait ça. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'apparition de l'école archéologique soviétique concernant à la fois la Sogdiane et le Kankyu, pris comme phénomène en corrélation. And now you can go on. One question? Yes. How do you date the period Kangxi II? Kangxi II, yes. How do you date it? How do you date? Yes. Now, after discussion with Bertil, we would put it third, fourth century AD, which seems to correspond to precise results now in the Pukhara Oasis, the mission of Rokurante. Talibarzuwan, Kangxi II, 3rd, 4th century AD, et alors ce qu'on voit, effectivement, dans cette période de déclin qui semble suivre, qui arrive ici, on voit apparaître dans le matériel de Samarcande des choses très Kangxi, c'est-à-dire comme si il y a eu un vide démographique à ce moment-là, et que les oasis étaient repeuplées par des populations qui étaient plus au nord, qui étaient plutôt pastorales. Alors, on voit une certaine barbarisation, bon, mais ça ne dure pas longtemps. Et à partir du 5e siècle, il y a la merveille de l'épisode Eftalite, probablement causé par des déplacements de populations et de phénomènes culturels depuis les régions du sud. Do you have another question? Okay, let's return to one slide that I introduced last Friday. So last Friday, I tried to explain that, right here, that Shiratori identified by using almost only Chinese sources, but also some Islamic sources and some classical sources, that the capital city of Kangju in the Han period must be somehow around between Turkestan and Chimkent. So the problem is that if the Kangju was a nomadic state, according to most scholars' interpretation. Then what means a capital city of the Kangju state? And actually, in Chinese sources, we read Beitian Cheng. So Beitian is the name, and Cheng is the term that can mean city or town or a settlement or a fortification site enclosed by a wall. So then, the problem is that if it was once a nomadic state, then when and how it became sedentarized? As you say that
it became a farming culture around the third, fourth century, right, as country to period. And then now we are talking about the period before the Common Era. So read briefly that. So it is Shiratori's first statement in 1911, but here I quote this selection of his essays and edited by Enoki. So he wrote that this city, or this town anyway, namely the town of Beitian, it must be the seat where the king of Kangju sit during the winter, and because the weather is mild and it is easier to find fuel and foods, therefore, naturally, it is most reasonably to locate the winter city Beitian Cheng of Kangju around this region. And so that is what I meant from this very first phrase as early as 1911. And this passage is actually accepted by Yu Taishan until now. So that's why you will find in Yu Taishan's book that he thinks the capital Beitian city should be somehow around Turkestan and to the south of this Karachal mountain and to the north of Sirdarya. Actually, that means this area. And Yu Taishan drive Kamka and Tashchaj out of the picture. I will discuss it later in a few minutes. Okay. And what Yu Taishan does not accept is Shiratori's further etymology of Beitian. Because as I tried to explain last time, that there is a trend in Shiratori's theory that he always tried to identify many peoples in the northwest of China as Turkic ones. So in his view, the Beitian could be somehow compared with Barqing in the Genghis period. And somehow he find many various dictionary in his time. So in the language of Chagatai, there is a word called Biqing and means fort or a fortress. And then also in Osman language, there is a Bizen. So he tried to compare and identify the name of Beitian, something like Beitian in old Chinese, with at any rate Altaic language. So that is his view, and this view is not adopted by Yu Taishan. So last time I tried to draw a line about the country proper in Shiratori's view, but actually Shiratori, he didn't offer any maps in his paper neither. So actually it was not a good practice, but this kind of practice was also inherited by Yu Taishan and many Chinese scholars. So as far as I can see, Shiratori always tried to emphasize that the Kangju proper is on the Kyrgyz steppe to the north, and in the winter it somehow moves southward. And actually he did not really discuss about Tashkent or Chirchik during the Han period. Indeed, in his paper, he mentioned the river of Kanka near Tashkent could be somehow etymologically related to Kangju. But his view to identify Sogdiana as a territory proper of Kangju or not is not so clear. But he assumed that Sogdiana. He recognized that the river Kanka can have a relation with Kangju. Yes. So it was not Mason, it was. Yes, actually, it is Shiratori. Yes. So actually, he accepted the general assumption that Sogdiana was subjected to Kangju in the Han period, but he avoid to further identify any five petty kings one-to-one to any city-states in the Sogdiana. He was quite prudent. So in this case, actually, in his
view, the Tashkent and other city-states of Sogdiana can be put into the Kangju in a broad sense, but the proper Kangju was somehow restricted to this area. That's why I try to draw this line. So this is what I can quote for you in his English paper on the state of Sogdiana, where he distinguished Kangju from Sogdiana. So I just read this phrase. Now we learn that the Kangju people changed their country from summer to winter, and the same thing is actually observed in our days in the Kazakh-Kyrgyz pasturing on the Kyrgyz steppe. And the winter on that wilderness is too rigorous for animals, so that the nomads strike their tent when the weather becomes chilly and go southward to pasture in a milder climate. The most suitable sort of place is the edge of water grown over with the saxo bush. So this is a saxo bush grown around Arabia, I think. And for this reason, the shore of the Sir Daria is mostly preferred. All right. So as I just explained, the in Shiratori's view, the Kangju people just moved according to seasons, right? And in many places in his English paper, he emphasized that the Kangju proper should be in the Kyrgyz steppe and to the north of the Sir Daria. And I tried to find this term on Franke's map. So you see how broad it is. It could be in Shiratori's mind. And also, there's another passage from Shiratori's paper that after the consideration that the Kangju in the Han period inhabit the Kyrgyz steppe to the north of the Yahat, that their mode of life resembled that of the Kazakh Kyrgyz now. That's why I tried to, but I forgot to give the map that I bought at Mobile Mutuality. Actually, Kyrgyz Kazakh is here. It's just one example. So here. Somehow, okay. Right, you see, this is Kyrgyz Kazakh. And just to the north of Turkestan in that days, so actually to the north of Sir Daria. So, when we go back to this map here, I draw this line rather shortly, but this line I'm not so sure. But I can only say that in Shiratori's view, the eastern border of Kangju must around the Taras River and around today's Taras City. Although we can improve this by distinguish today's Taras City and the old Taras site. Furthermore, Shiratori in his paper as early as 1911, that if his assumption of placing Beitian city here is plausible, he wants to locate Yancai to the shore of Arab Sea, because in Shiratori's view, the capital of Dawan or Fergana should be Kazan. And therefore, therefore, if Beitian city is somehow to be placed to the northwest of Kazan, and then if we count further, 2,000 feet further to the northwest, then Yancai is surely around the shore of Aral Sea. So actually, this is a concept very close also to the French school, right? I think Chavan or Pelio also made a very similar identification. And that's compared with the Zhang Qian's report on his first mission. So this is the main reason. And first, actually, as Etienne also indicated to me personally, that this
distance is really too close. If you can sell it from here to there, is around 2,000 li, okay. But actually from Kazan or anywhere, from Fergana Valley, it's actually too close to this area. And for me, there are two other problems. The first problem is that is Beitian City really the winter city, winter capital of Kangju or not? And the second question is that is it really good to combine Shiji and Hanshu all together? Because actually we have two different narratives about the location and the situation of Kangju in the Han period. So let's first look about the problem, whether Beitian city is the winter capital or not. So I think during the second session, Franz already prepared a slide for you, but I improve it a little bit more here now. So if we use Yu Taishan's English translation, you see that in his translation, the seat of the king's government in winter is in the area from Le Yuanidi to the town of Beitian. So he already made a kind of compromise. Because otherwise, in Hu Shiwei's translation, he think there is a text corrupt. So in that case, I mean, actually, this is a view from a very famous sinology in the Qing dynasty in China, Xu Song, that actually the winter capital is Le Yuanidi. And somehow the phrase was corrupted, so actually we don't know very well about the status and location of Beitian, but it could be something like a central capital or not. But anyway, in this case, actually there are three places. The first is the king's government in winter around Le Yuanidi, and then the Beitian town or Beitian city, and then another center in summer, right? So actually, whether Beitian city is the central city or not, or is the winter capital or not, depends on scholars' interpretation of these very problematic phrases. And second, it is when we look back to the translation of Shiji, and I already read this last week, actually it is quite different from Hanshu's statement about Kangju. So here I just repeat it a little bit. Kangju is a distance about 2,000 li northwest of Dayuan, blah, blah, blah. And the problem is that the state is small here, Guoxiao. And in addition, in this whole statement from Shiji and from Zhang Qian's report on his first mission, there is no mention of Beitian city at all. So actually it is a combination by Xia Toli and other scholars that they believe that Shiji and Hanshu can be mixed together and in order to produce a good answer. But if we only look to the Shiji, actually we are not sure about where Kangju it is or how to define its capital and if there is a capital or not. And therefore, in order to find more problem and find a better solution, we must compare the Shiji text and Hanshu text carefully. Otherwise, we will always be trapped within this kind of very confusing solution from one scholar to another. Okay. So now this is the translation by Yu Taishan on the entry of Kangju in the Hanshu. So I read it quickly. The state of Kangju, the seat of the king's government in winter, is in the area from the Yuanidi to the town of Beitian, is Yu Taishan compromising a solution.
And it is so much Li from Chang'an, the capital of Han Dynasty, and it is not subject to the Protector General. And because this general was established as late as 59 BCE, so actually this whole passage could be rather late. Okay. So, in brief, among the whole paragraphs in the Han Shu about Kang Ju, perhaps only this phrase is actually adopted from Li Shiji or from Zhang Qian's report that the way of life is identical to that of the Da Yue Zhi. But if this is still true until the end of the first century before Common Era, that would mean that archaeologically, it would be very difficult to distinguish Yan Kang Ju people from the Yue Zhi people. And the final phrase, in the East, the inhabitants were constrained to serve the Xiongnu. It could be also somehow adopted from Li Shiji. However, it has been modified or even updated. It means that perhaps by the end of the first century before Common Era, the Kang Ju is no more subjected to the Yue Zhi people, right? So, actually, until now, there is still a big debate on how old it is concerning the data of the distance in the Han Shu. Concerning the location and territory of Kang Ju. And let's say, as I just said to you, that many scholars believe that this precise data should be collected after the establishment of Protectorate of Xi Yu, right? And some other scholars believe that it could be later, after Li Zhizhi Chanyu, the ruler of Xiongnu, was killed by the Chinese army, and therefore the Western region was somehow more pacified and more known to the Chinese people. However, according to Bi Bo's view, based on the reading of Xuan Quan wooden talis discovered from the northwest of China, she thinks that it is possible that China already knows some kind of precise geographical data as far as Kang Ju before this year. Because until this year, when the Kang Ju king and other king, the king of Suxie, dispatched their invoice to China, there are already more records about about the communication between China and Kang Ju around the middle of the first century BC. Okay, however, we still have about 70 to 90 years to solve that it could be after 70 or 90 years after the Zhang Qian's knowledge about Kang Ju that finally Chinese know where that Kang Ju is actually. By the distance of the measurement and the orientation, more precise orientation. So what time is it? Okay. So last time I mentioned that the problem is that the term about Kang Ju and the other three states around them, Kang Ju, Wusun, Da Yue Zhi, and Yan Cai, are all stated as Xingguo, the moving country or moving state in the Shiji. That means if it means that the whole state is during a kind of movement, a long distance movement, then from this time, this year until this year, the center of Kang Ju could be gradually moved. We don't know. This is just a possible scenario. If the case was what Shiratori imagined, that it was always around the south of Karatau Mountain, that's okay.
but it is not necessarily the case, right? So, therefore, I think we still have to pay attention to this very strange expression that in Shi Ji, or more exactly in Zhang Qian's report on his first mission, in Zhang Qian's eyes, is that the state of Kangju is small. And Yu Taishan tried to again compromise this statement with Shiratori's theory that small does not refer to size, but to its population. But okay, even in these cases, we note that in Hanshu, we could not say that this kind of state is very small in its population, right? So there is another solution by François Thierry. In his paper, Yue Zhi Kushan, Piège et Danger des Sources Chinoises, in 2005, but here I use a better version downloadable from academia. So let's see Thierry's translation in French. Let here, the Kangju est situé à environ 2000 li au nord-ouest de Dayuan, etc. So the key phrase here, he translated, c'est un royaume faible, very weak. But even if you say this is weak, this kind of image in the Shi Ji still deviate from this scenario in the Hanshu, right? In the Hanshu, it was at any rate stated that we have so many men being able to bear arms. So it means that Kangju, if Shi Ji and Hanshu are to be believed, are reliable, then Kangju was somehow began stronger or larger or even moving their states from the Zhang Qian's period to about the period of protectorate of Xi Yu. So let's see what Thierry said. So I think I just finished this paragraph and then we just end today's session. So this is the note he made here about the concept of Kangju in the Han period. So what Thierry wrote is that de cette situation et de ce qui est dit dans les textes précédents, le Kangju ne peut correspondre à la Sogdiane entendue comme la seule région de Samarkand et de Bukhara, ni même à la Sogdiane stricto sens. Sous les Huns, le Kangju est un royaume nomade qui contrôle un vaste territoire précisément situé, s'étendant au nord-est du Sirdaria jusqu'au lac Balkhash, au sud-ouest, de ce fleuve jusqu'à la vallée du Zerafshan, et à l'est, actually à l'ouest, jusqu'aux franges de Khwarezm et à l'Oxus. Sa partie orientale est soumise de facto au Xiongnu, et sa partie méridionale soumise au Yueji, ce qui ne veut pas dire qu'il rendait hommage et au Yueji et au Xiongnu. So actually, now he criticized a little bit about Etienne's translation. And furthermore, la traduction de Kangju par Sogdiane dans les textes d'époque Han est un anachronisme par Chavannes et par Gershman. So, ce n'est que beaucoup plus tard que le Kangju sera réduit à la seule la région de Samarkand et à la Sogdiane. So that means it's only until the Sui and Tang dynasty, until the 7th century, that somehow the concept of Kangju was totally confused with the region of Samarkand and Sogdiana. It's the Thierry's concept. So actually, Thierry's concept is quite similar to Yu Taishan. As you can see from his paper, he states clearly that actually he consults Yu Taishan from here and there. So if you compare this kind of definition of Kangju, it is very close or even identical to
the official Chinese map published in Beijing by in 1982, although I do not know very exactly who made this map. But actually, you see that here, this point is Tashkent, and Kangju is to be placed on the very west of the so-called frontier of Han China, or the frontier of the Xiyu Protectorate. And here you see that in the editors of this collection of Chinese historical maps, Kangju is to be placed somehow to the west of Balkhash Sea and just to the south of Tashkent. Okay. I think next time we will continue about Yoshida's map. And actually, this map presents more closer to Kyoto school, because this map actually placed Kangju more to the south and almost identical to Sogdiana, actually the north of Sogdiana, right? And even not to the north, but to the south of Yarhart, between these two big rivers, right? And Sogdiana is here. And this is mapped to the Kushan dynasty. That means from first to third century CE. So the situation is a little bit late, but I will explain this by explain the predecessor of this map by Odani in his bestsellers in Japan, A Great Yuezhi, because he provide a mode about the development of Great Yuezhi from the 3rd century BCE to the Kushan period. Okay. Pour conclure sur la théorie de Shiratori, on Shiratori's theory, I think the only point which today I would consider outdated is his location of the summer capital of Kangju, very much to the north in the Kirghiz steppe, because there is an objection now. The archaeological material recovered from these zones is not similar to what we have in Kangju proper. Seems to be, I wouldn't commit myself to decide the name of people who are living there, but it's very different from the Kangju material. You can speak here, it's near microphone. Mm. You can speak here, closer to microphone. Yes. Là où Shiratori est sans doute assez dépassé maintenant, c'est quand il... Can you go back to Shiratori's map? We just use that one. Okay. Ça, c'est Shiratori. Non, c'est Odani. This aqua blue part is Shiratori. The blue part is Shiratori. Yeah. Oui, il va, à mon avis, il va un peu loin au nord. Voilà. Il est bon pour toute cette... La limite des Karatao est sans doute assez fiable pour situer maintenant... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une influence Kangju s'exerçant jusque par là, puisque on sait qu'il contrôlait plus ou moins l'Yansai, qui correspond sans doute à cette époque à la culture de Chirikrabat, enfin oui à Basir Daria. Mais il va un peu loin au nord parce que, tout simplement, ce qu'on trouve ici, semble-t-il, du point de vue du matériel archéologique, est assez différent de ce qu'on trouve ici. Donc, cette idée... Je pense que cette notion de Kangju, petit pays, ça reste une question ouverte à mon avis, parce que on peut aussi considérer que effectivement ça veut dire un pays assez petit géographiquement. C'est très mais apparemment we can't decide from the Chinese meaning of the word whether it means weak or small. Usually it just means small, literally. Yes. I would incline towards this idea
that they knew that Kangxi was not very big compared to Wusun and Xiongnu. It was that triangle. It became an important country because that triangle was very well situated. It gives them good pasture for the horse, good position to trade with the northern people, the possibility of controlling the commercial missions sent to China, and we know now already in 100 BC. So I would say the importance, the rising importance of Kangxi probably was due to a very good strategic position on military and commercial networks, on commercial networks, rather than on the size of the country. But as I've already prepared a slide for you, right? I mean, we will discuss it tomorrow. That here. Concerning Zhang Qian's map, sorry. Very far away. where is the map that I prepared for you or us? I think here and here, okay. This is your map that we prepared. This is my fantasy. Yes, if you said that country is to be put here, then Zhang Qian must somehow test I think that here. The order, je pense que l'ordre, on verra ça demain, l'ordre qui est donné pour la suite des pays, je suis parti de deux idées. C'est que l'ordre donné par les pays, pour les pays, que Zhang Qian a parcouru, mm-hmm. est réel. Il part des Xiongnu, il est arrivé, il a passé par le Fergana, Taïwan, il est passé par Kangxi, et moi je pense qu'on peut donner une explication pour ça, c'est qu'il est arrivé dans la zone sud du Kangxi, et de là on l'a envoyé, par travers la Sogdiane, on l'a envoyé chez les Wuxi. Un autre de mes présupposés, c'est qu'il n'est pas passé très au nord, parce que visiblement il a voulu éviter les Wuxi. Et voilà, donc, on en reparlera demain. Donc j'ai prévu, en fonction de route bien connues, hein, deux alternatives pour sa route. La rivière Narin, et puis carrément une route, la route sud du Tarim, possible mm-hmm. aussi. Enfin non, pas la route sud du Tarim, une route nord du Tarim. Mm-hmm. Tout ça finissant par arriver au Fergana. Wait a minute, here there's a typo, not 120 BCE, yes, but... it is my mistake, 26. 26, 29, 26. You should correct it for tomorrow. I mean, he departed as early as from 139 BCE, but he was raised... That part of his itinerary should be around. Okay. On continuera ça demain. J'espère avoir retrouvé ma voix d'ici là. George, I'm not sure tomorrow I am able to speak for a long time. I try to cover it.